— Bienvenue sur le plateau de parole d'élus, euh, à où nous recevons aujourd'hui le tout jeune conseiller euh, régional Lou Clerc. Bonjour, Lou. — Bonjour. — Un engagement à ta vie qu'on a bien connu votre, euh, votre père. Euh, quel sens vous lui donnez à cet engagement aujourd'hui cet engagement, c'est, je pense, un, un engagement pour. Euh, enfin, moi, mon engagement premier, c'est celui de l'écologie, celui du bien commun, celui de préparer l'avenir euh, face à tout ce que l'on connaît, aux incendies, aux méga-feux, à la sécheresse, à tout ce qu'on a pu vivre cette année. De L'année 2020 était l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'année 2021 est bien partie pour, pour euh, lui succéder. Et donc, euh, c'est un engagement pour de la justice sociale, de la justice environnementale, à l'échelle régionale, en l'occurrence, au Conseil régional. Alors, il y a un consensus sur tout ce que vous venez de dire. Il faut euh, aussi maintenant l'illustrer et le marquer politiquement parlant, avec mmh. euh, bah, des voix qui sont entendues de, de tous les côtés hein, aujourd'hui. C'est ça, ouais. Bah, bon, après, au Conseil régional, c'est par dossier. Nous, on est dans l'opposition, mais une opposition constructive, c'est-à-dire que si euh, un dossier va dans le bon sens, alors on cherchera à l'appuyer, à l'amender pour aller dans le bon sens. Et par contre, un dossier que l'on juge vraiment euh, compliqué à, à soutenir, et eh bien, nous ne le soutiendrons pas et, et nous euh, euh, nous opposerons vraiment euh, face à ce dossier. Voilà, une opposition constructive. Bon, parmi les autres groupes, euh, d'autres partis politiques cherchent à aussi se doter euh, d'un programme écologique c'est bien, c'est positif, c'est-à-dire qu'on avance dans une bonne direction, maintenant il y a l'original et il y a les copies, et la plupart du temps, dans les copies, euh, le compte n'y est pas. Quoi. Le compte vous êtes 15 élus donc, euh, du groupe qui s'appelle L'écologie euh, Il est temps sur mm -hmm. 169 Vous venez de le dire, la, la difficulté de se faire entendre avec cette, cette opposition constructive. Euh, un petit mot aussi sur les indemnités de conseiller régional, revues à la hausse de, de 25% et votées par euh, l'ensemble des groupes sauf le, le Rassemblement national. On va voir le, le tableau tout de suite. Cette indemnité se monte à un peu plus de 2700 euros bruts. Qu'est-ce que ça vous inspire Pourquoi vous avez voté Votre groupe a voté cette, cette hausse Bon, alors déjà, bon, c est, c est la hausse de 25%, c'est le titre du communiqué de presse du Front National. Donc, on on est là dans, une, dans, en fait, dans, dans le vote des indemnités euh, de base, les indemnités euh, euh, cadrées nationalement pour une région de plus de 3 millions d'habitants, 5,5 millions pour, euh, pour le Grand Est. On est dans une grande région. Alors, plus la région est grande, plus les indemnités sont taille importantes. La taille de la Belgique, hein, on le rappelle. Voilà, la taille de la Belgique. Et donc, euh, euh, on a des indemnités brutes à hauteur de, de 2 700 euros à peu près. Euh, net, ça correspond à peu près à, à des indemnités de, de 1 700, 1 800 euros. Là, on est là sur des indemnités et donc pas un salaire. Hein, c est, c est, il faut bien dire. Les deux, les indemnités sont justement là pour compenser une potentielle baisse de salaire pour des élus qui devraient se passer à mi-temps ou arrêter leur, leur travail ou ne pas en avoir. Comme moi, étant étudiant, je ne peux pas avoir de job étudiant, et donc, enfin, parce que mon travail d'élu me prend quand même beaucoup de, beaucoup de temps, et donc ça vient compenser cette perte-là. Donc, c'est ces indemnités-là qu'on qu a votées oui, au, au Conseil régional. Oui, il faut rappeler que si vous étiez dans le privé aujourd'hui, avec votre niveau d'étude, vous gagneriez évidemment bien, bien plus. On gagne ce, bien ça. plus. Et là, le fait d'être élu nous enfin, oblige le président, les vice-présidents et les conseillers délégués d'un dossier euh, à, à déclarer leur, euh, leurs intérêts financiers euh, auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui est accessible auprès de tous les concitoyens. Tous les, toutes les concitoyennes peuvent aller voir ces déclarations d'intérêts. Euh, les élus régionaux de base ou d'opposition comme moi, nous ne sommes pas obligés de le faire. Moi, par transparence, bien sûr, je vais, je vais le faire dans les deux mois. Euh, à partir du début du mandat. Ça nous paraît toujours important de le préciser. Oui. Allez, on parle du fond, évidemment, la place de l'écologie dans la parole publique, ça n'échappait à personne, est très, très conséquente, et remet euh, sur l'ensemble de l'échiquier, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Cet effet hein, qui confine parfois, il faut bien le dire, au greenwashing, restreint un petit peu votre audibilité, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que vous avez commencé à évoquer deux, trois pistes Est-ce que bah, l'original doit faire, euh, faire penser à l'électeur que les copies sont des pâles copies bah écoutez, on est quand même dans une, enfin, on constate une prise de conscience quand même des Français, des Françaises sur sur les sur les questions d'environnement. Euh, je crois que 80 90% des jeunes sont sensibles à la question climatique et sont inquiets pour leur avenir. Donc il y a cette prise de conscience là. Mais ne le répercute pas forcément avec un bulletin Europe Écologie Les Verts. Hein. Le répercute, on l'a vu en 2019 avec quand même une nette progression de d'Europe de, 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 Écologie Les Verts aux élections européennes euh, et ces élections régionales le marquent aussi avec une nouvelle entrée de, de notre groupe Vert et, et écologiste euh, au sein de au sein de notre notre assemblée régionale et donc euh, voilà on, on a les écologistes ont gagné des villes commencent à avoir des bilans positifs dans ces villes les les, élu, les, les électeurs pardon euh, peuvent constater que effectivement euh, l'écologie c'est quelque chose de crédible c'est quelque chose qui s'occupe de tous les sujets y compris des sujets régaliens et on a l'occasion de le voir d'ailleurs dans ces primaires euh, écologistes qui sont en train de se dérouler en ce moment avec les débats qui ont eu lieu euh, qui ont lieu en ce moment cette semaine -là. ça a commencé ce dimanche effectivement mmh. on va voir un petit peu les, les cinq candidats euh, sur euh, qui, qui sont donc, euh, engagés dans cette dans cette primaire, euh, bah, votre cœur penche à gauche sur la photo. J'entends avec Yannick, euh, Yannick Jadot euh, candidat Idoine pour vous et vous faites partie d'ailleurs de son équipe de campagne. Oui, mon cœur penche à gauche sur la photo, mais penche à gauche aussi euh, en règle générale pour un large rassemblement écologique et social. Et c'est ce que porte euh, c'est ce que porte Yannick Jadot. Euh, c'est un candidat qui aujourd'hui à une certaine crédibilité, incarne cette écologie positive, cette écologie de rassemblement, l'écologie qui peut gouverner demain en France et qui peut avoir cette radicalité nécessaire et cette ambition nécessaire à porter un grand programme euh, de transition écologique euh, avec les acteurs de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager euh, demain une transition écologique ou aujourd'hui une transition écologique au niveau agricole sans les agriculteurs, au niveau de la pêche, sans les pêcheurs. Et bien, on ne peut pas envisager une transition écologique économique sans les entreprises et c'est ce que porte Yannick Jadot, c'est ce, ce que porte donc ça veut dire qu'il faudra parler avec, de avec de la FNSEA, et... il faudra parler avec des gens euh, qui sont euh, naturellement euh, d'une culture différente. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait au quotidien, d'ailleurs aussi, y compris pour, euh, au sein du, du conseil régional. Ouais. Alors, Yannick Jadot est devenu grandissime favori. On sait qu'avec les Verts, euh, voilà, il faut <laughs> surveiller ça jusqu'au bout. Il y a eu des, des surprises. Euh, la campagne, assez sereine. On a entendu le premier débat sur lequel c'était finalement assez difficile de, de distinguer euh, l'ADN de chacun. Bah, bon, moi je pense que chacun porte quand même un fond euh, assez, euh, assez différent. Maintenant, euh, ils ont chacun des manières de l'incarner aussi, chacun et chacune, parce qu'il y a deux, deux femmes candidates à, à cette primaire. Et Sandrine Rousseau et Benoît Batou Pour hein. moi, le risque d'une primaire, c'est euh, trop souvent de, de, de diviser. Et là, on voit une primaire qui qui ne divisent pas, euh, enfin euh, qui, qui rassemble plus qu'autre chose, parce qu'il il n'y a pas de petites phrases incisives entre les candidats, il n'y a pas de guéguerre euh, de, de, de maison. et donc euh, on est sur une primaire plutôt positive. Et voilà, je, moi j'invite je, je, toutes celles et tous ceux qui souhaitent, euh, alors, comment qui souhaitent marche, oui. alors comment ça marche Alors comment ça marche Il faut s'inscrire sur lesécologistes.fr moyennant 2 euros avant le 12, euh, le 12 septembre, dimanche 12 septembre de cette semaine, et puis les votes se tiendront en ligne euh, le, le 16 et le 25 septembre pour le premier et le second tour de cette primaire. Alors vous l'avez évoqué, euh, plusieurs villes françaises majeures hein, ont été prises entre guillemets par, par les Verts euh, des dernières municipales. Il y a aussi euh, l'expérience grenobloise avec Eric Piolle mmh. qui est au, aux manettes. Quel premier bilan vous vous portez sur euh, ces actions euh, qui, euh, qui ont euh, été portées sur la, sur, la, sur la voie publique aussi parce qu'il euh, y a eu certaines prises de position qui ont fait des éclats oui, bon, c'est des prises de position euh, euh, en marge. On peut penser par exemple au sapins de Noël euh, à de Bordeaux, Bordeaux, mais oui. sapin... en fait, il y a eu des sapins de Noël dans la ville de Bordeaux. C'était simplement des petites phrases qui sortent comme ça. Il y a eu des sapins de Noël, bien sûr. Euh, les écologistes ne sont pas là pour diviser, ils sont là vraiment pour porter une transition. On le voit dans les villes avec un verdissement des, des villes, euh, de, de, de la nature qui revient dans les cours d'école, euh, une place plus importante faite au vélo, un accompagnement, et tout ça, bien sûr, dans un accompagnement euh, financier aussi pour euh, les personnes. Les plus précaires et c'est ça qui on est important. Le et on a le part... voit dans les communes non vertes, euh, mm -hmm. c'est-à-dire non portées par Europe Écologie les Verts, est-ce que ça veut dire que bah, finalement euh, le rôle du parti est peut-être en train d'être un peu édulcoré puisque les autres... Euh, bah, dans, dans les communes où nous sommes dans la majorité euh, de rassemblement, d'union, euh, on porte euh, une voie qui permet d'aller plus loin parfois dans, dans, dans les transitions amorcées, et puis dans les, dans les villes qui ne comportent pas d'élus écologistes euh, dans, les, dans, les, dans les exécutifs. Et bien là, on, on peut le voir par exemple à, à Épinal, où euh, bah, la place du vélo tarde encore à se faire. Euh, à, 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 à faire. C'était une promesse de campagne. Et euh, pour le moment, euh, c'est assez ambigu. J'espère que euh, ça, va, ça va changer. Et je pense que les écologistes, qui soient dans la majorité, ou euh, en dehors, sont là aussi pour porter, pour porter cette voie. Allez, très rapidement, un petit mot sur un des dossiers qui vous tient à cœur, c'est le transport en milieu rural. Euh, où est-ce qu'on en est Quels sont les dossiers chauds du moment bon, Les dossiers chauds du moment, c'est enfin, les risques d'un enclavement beaucoup plus important de notre, de notre territoire, des Vosges, euh, parce qu'on est sur une situation où les TGV euh, Remiremont-Épinal-Paris ou alors Saint-Dié-Paris sont en sursis. Euh, la SNCF est assez ambiguë euh, dessus. Euh, on vient d'apprendre la, la suppression prochaine des lignes de Wigo entre euh, Nancy et. Tous les, les... générales, hein. tout parti confondu. Tout ouais, parti confondu. Ouais, le... Je remercie le maire d'Épinal, le maire de, de, de Nancy, de bords politiques différents qui se sont emparés du sujet. Euh, nous à la région, on s'en empare aussi également. C'est départemental. C'est intolérable. Ouais. Hein, voilà, ouais. on est dans Nancy. C'est vraiment une aire urbaine. C'est la deuxième aire urbaine étudiante de France, donc avec des personnes qui sont quand même euh, plutôt précaires. Et, et la SNCF qui a un devoir de service public euh, supprime des trains, euh, des liaisons Paris à Baccou. Et c'est vraiment, c'est vraiment intolérable. J'espère que euh, cette, cette situation n'est pas définitive et qu'on puisse encore travailler avec euh, avec la SNCF pour, pour arranger. Dans les Vosges, un sujet particulièrement important aussi. Très est, rapidement. Ouais. Ouais, très rapidement. C'est la liaison de bus de car entre Épinal et Neufchâteau euh, qui vient euh, de ne plus être gérée par la SNCF, mais la région a repris la main dessus. Et donc les horaires ne sont plus affichés, les correspondances ne sont plus possibles sur le site de la SNCF. Moi, qui étais étudiant à Dijon, par exemple, je prenais le train, le bus d'Épinal. À, à Neufchâteau et le, le train de Neufchâteau à Dijon, eh bien sur le site de la SNCF, on ne peut plus avoir cette correspondance. Il faut passer par Nancy ou alors prendre un billet spécial et plus cher pour les personnes qui ont un abonnement euh, jeune, par exemple, euh, auprès directement de la région du chauffeur de bus. Et, et ça pose de gros problèmes. Euh, on va travailler ça aussi avec David Valence, qui est, qui est vice-président en charge de la, des transports, des ouais, transports euh, dans la régional. région. Et j'espère que c'est une erreur et qu'on va pouvoir euh, arranger ça pour... Euh, pour les, pour les prochaines années, parce que là, ça met en péril même la gare de Neufchâteau, qui est quand même une ville de 6500, 6600 habitants, ça la met en péril pour les prochaines années, c'est très inquiétant. C'est à suivre. Lou Noir clair était notre invité, merci à vous, Lou Noir clair On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec notre entretien politique hebdomadaire.